Tesla, c'est ce constructeur automobile américain qui s'est spécialisé dans les voitures 100% électriques et qui s'est fait remarquer il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant en présentant une voiture sportive de luxe, certes, mais extrêmement performante et assez révolutionnaire. Après le succès de sa Model S, Elon Musk, le patron de Tesla, a présenté en 2012 une version SUV, ses véhicules à la mode, sorte de 4x4. Voici donc le Model X dans une version sport qui s'appelle la P100D. P pour performance, 100 c'est le nombre de kilowatts de la batterie, et D pour dual motor parce qu'il y a un moteur à l'avant, un moteur aux roues arrière. Qui dit SUV dit voiture spacieuse et familiale, particulièrement le cas ici puisque la Model X propose 6 places minimum avec un système d'ouverture en porte faucon qui permet d'avoir un petit peu plus d'accès pour les places arrière. La spécialité de Tesla, c'est surtout un intérieur épuré, très très dépouillé, avec une instrumentalisation qui se commande quasiment intégralement via cette tablette géante de 17 pouces, avec un ensemble de liens vers Internet, vers un agenda, vers le GPS, vers la musique, la caméra de recul bien sûr, Internet, la téléphonie. Cet ensemble est extrêmement intuitif, il permet de paramétrer beaucoup de choses, notamment bien sûr le profil de la voiture. On peut régler le niveau suspension sur 5 niveaux différents. On peut avoir également une commande des portières pour les ouvrir, pour les fermer. La climatisation, ça passe par là également. Le réglage des sièges, c'est quasiment tout se contrôle sur cette très grande tablette. Avec ses 611 chevaux, le Model X est également le SUV le plus rapide du monde. Plus rapide que la Bentley par exemple. C'est un niveau d'accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes 1. C'est comme une Ferrari F12 ou une Porsche 911. Ce qu'il y a de vraiment appréciable avec cette voiture, outre le silence, c'est sa stabilité. Il faut dire que la batterie couvre intégralement le plancher de la voiture. Et c'est un plancher qui est également plus bas que les axes des roues. Ce qui fait que dans les virages, même si on est dans un SUV, ça ne tangue absolument pas. Alors il ne faut pas oublier, hein, bien sûr, qu'on est à bord d'un véhicule de luxe. La P100D, c'est-à-dire le modèle sport de la Model X, démarre à 160 000 euros. Celle-ci, avec les options, est à presque 180 000 euros. C'est pour les familles qui en ont les moyens.